premier jour du mois de décembre 2023, première édition sur l'ORTM. Merci de nous confier votre réveil en vous informant sur la radio nationale. Il est 7h à Bamako, 11h à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Le journal Moussa Papa Aïdara. Au sommaire, les enjeux du secteur de l'employabilité à travers des formations qualifiantes font débat à la 13e édition de la rentrée solennelle de la formation professionnelle. Les acteurs concernés veulent une synergie d'action entre les départements de tutelle et le secteur privé. La formation professionnelle, l'une des voies les plus sûres vers un emploi décent, dira le Premier ministre. Les états généraux de la jeunesse s'ouvrent aujourd'hui 1er décembre jusqu'au 22. L'idée est de faire le diagnostic des défis liés à la jeunesse suivant une recommandation des assises nationales de la Refondation. Le gouvernement veut aussi renforcer la contribution de la jeunesse dans la gouvernance. Dans cette édition, on vous emmènera dans l'univers du kaolin, appelé Bogoni en Bamanankan au Mali. Cette argile blanche est devenue le péché mignon pour plusieurs femmes, surtout celles en état de grossesse. Cela, malgré tous les dangers liés à sa consommation, on verra bien quel est le goût qui se cache derrière cette argile blanche. Actualité sur le continent, au Sénégal, nouveau revers dans la course à la présidentielle pour l'opposant Ousmane Sonko. Le paiement de sa caution pour être candidat à la présidentielle a été rejeté. En sport, les Aiglonais ambitionnent de monter sur le podium avec la médaille de bronze. Ne ratez pas ce match de classement qui oppose aujourd'hui le Mali à l'Argentine dans le cadre de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie. En tout cas, les dames ont gagné 7-2 contre la Guinée hier au stade du 26 mars de Yirimajo. Il s'agit des éliminatoires de la CAN féminine de football Maroc 2024. Et puis projecteur sur les réalisations de l'ONG Caritas Suisse dans la chronique du développement avec Soumaïla Berti. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Je vous l'annonçais à l'instant, chaque année, plus de 180 000 jeunes s'introduisent sur le marché du travail sans qualification professionnelle. L'insertion des jeunes devient alors un problème qui nécessite des actions concrètes. Tous les acteurs concernés étaient présents hier au centre de formation professionnelle qui a abrité la 13e édition de la rentrée solennelle de la formation professionnelle 2023-2024. Thème retenu, renforcement du partenariat entre le ministère en charge de la formation professionnelle et le secteur privé pour une meilleure adéquation formation-emploi. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. Le point avec Khadija Tukone. C'est parti pour la 13e édition de la rentrée solennelle de la formation professionnelle. Une occasion pour les jeunes scolarisés, déscolarisés ou non alphabètes d'accéder à une formation qualifiante. Soufiane Kouja, directeur du centre de formation professionnelle École hôtelière Chaka Sidi Bé. Sa capacité de formation a plus que doublé depuis sa ouverture, pour passer de 40 élèves en 2015 à 113 élèves en 2023. Assurant ainsi la formation dans les grands métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Les parties prenantes mettent un accent particulier sur la relance de la formation professionnelle fortement affectée par la crise au Mali. De nombreux défis sont à relever car selon les données du ministère en charge de la formation professionnelle, tous les ans, 180 000 jeunes arrivent sur le marché du travail sans qualification professionnelle. Sidi Danyogo, représentant du Conseil national du patronat du Mali. Nous connaissons les enjeux. Notre pays a un beau besoin de création d'emplois, la connexion école-entreprise, la question de l'implication du secteur privé dans la formulation des modules de formation, le partenariat public-privé et le financement aussi de la formation professionnelle qui font partie des chantiers qui sont déjà sur la table et sur lesquels nous travaillons avec vous. En toute confiance. L'Union européenne, au nom des partenaires techniques et financiers, rassure les autorités du pays de son engagement et de sa détermination à relever le défi de l'employabilité des jeunes au Mali. Matheuse Prorok, porte-parole des partenaires techniques et financiers. Les PTF présents ces jours sont disposés à accompagner votre ministère dans cette démarche à travers la mise en œuvre de programmes et des actions susceptibles de renforcer ces liens entre le secteur privé
et la formation professionnelle. Les autorités de la transition accordent une place importante à la formation professionnelle dans leur politique de développement pour permettre à des milliers, voire des millions de jeunes d'avoir un avenir meilleur. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Doter notre pays d'outils de gestion efficients et efficaces permettront, j'en suis sûr, de favoriser le développement, de valoriser les sortants des différents dispositifs de formation et de garantir leur insertion sur le marché du travail. La formation professionnelle constitue à ce titre une des voies les plus sûres vers un emploi décent. C'est enfin une solution d'avenir pour nos entreprises, puisque l'apprentissage permet de répondre à leurs besoins. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga invite tous les acteurs impliqués dans la formation professionnelle à une synergie d'efforts pour faire de ce secteur un levier important de l'économie malienne. J'invite les structures, toutes les sensibilités ici présentes à mener des actions vigoureuses susceptibles d'apporter leur concours dans la conduite des programmes et stratégies de création d'emplois afin de favoriser une insertion réussie de nos populations. Le thème de cette édition est « Renforcement du partenariat entre le ministère en charge de la formation professionnelle et le secteur privé pour une meilleure adéquation formation-emploi ». Pendant ce temps, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, AES, sont en conclave également depuis hier à Bamako. C'est pour examiner les protocoles additionnels de l'Alliance, de définir ses organes et enfin déterminer les mesures politiques et diplomatiques à prendre pour sa mise en œuvre. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au ministère des Affaires étrangères en présence de 4 membres du gouvernement du Mali, en plus des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger. Les résultats des travaux des experts seront soumis à l'appréciation des ministres. Compte rendu, Mamari Koné. 2 mois et demi après la signature de la charte du Liptako-Gourma par les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays formalisent la création de l'Alliance des États du Sahel. Cette première rencontre formelle des ministres en charge des Affaires étrangères vise à convenir des protocoles additionnels à élaborer, des organes à mettre en place ainsi que des mesures politiques et de coordination diplomatique à adopter. Olivia Ouamba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Je voudrais pour ce faire féliciter les experts maliens, burkinabés et nigériens qui, 2 jours durant, ont travaillé d'arrache-pied dans un esprit de convivialité et de fraternité en vue de nous faire des propositions concrètes qu'il nous incombe désormais d'examiner minutieusement au cours de cette rencontre, avant de les soumettre à notre tour à l'appréciation et à la validation de nos chefs d'État. Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. L'espoir que suscite l'AES va bien au-delà du peuple du Sahel. L'Afrique tout entière a les yeux rivés sur cette nouvelle dynamique de coopération stratégique basée sur les principes de la souveraineté, d'intégration et de solidarité agissante. Faire de l'Alliance des États du Sahel un espace où l'indépendance et le développement économique sont solidement ancrés, telle est l'ambition des 3 pays. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Dans nos délibérations, nous examinerons entre autres le processus d'opérationnalisation stratégique de l'Alliance des États du Sahel. Nous déterminerons les aspects relatifs aux organes à mettre en place, ainsi que l'articulation entre l'expertise existante et les acquis capitalisés par l'autorité de développement intégré du Liptako-Gourma et l'AES. Nous accorderons naturellement une attention particulière à la coordination de nos actions diplomatiques et politiques, ainsi que des questions de communication, surtout en ces périodes de guerre communicationnelle. Selon le chef de la diplomatie malienne, les États de l'Alliance ont la responsabilité de démontrer que leur engagement n'est pas seulement un acte formel, mais une promesse. Nous devons transformer nos paroles en actions tangibles, édifiant ainsi une architecture institutionnelle robuste qui servira de rempart contre les menaces, les velléités, les convoitises qui pèsent aujourd'hui sur notre espace. Nous devons prioritairement renforcer nos mécanismes de consultation, d'évaluation et de prise de décision afin de garantir une réactivité optimale aux situations émergentes. Au sortir de cette rencontre ministérielle, l'on peut dire sans risque de se tromper que l'Alliance des États du Sahel a bien pris son envol et cela pour le bonheur des populations des 3 pays, comme en attestent les résultats obtenus sur le terrain de la lutte contre le terrorisme.
Eux, ils s'apprêtent plutôt à lutter contre tout ce qui peut porter atteinte à l'épanouissement des jeunes. Cela à l'occasion des états généraux de la jeunesse organisés sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce mercredi 1er décembre. À partir de ce 1er décembre, j'allais dire jusqu'au 22, une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne qui veut faire le diagnostic des défis liés à la jeunesse suivant une recommandation des Assises nationales de la Refondation. Nous, Sissoko, pour plus de détails. Les états généraux de la jeunesse voulus par les Assises nationales de la Refondation se veulent inclusifs. À travers cette grande rencontre, le gouvernement entend renforcer la contribution de la jeunesse dans la gouvernance, les réformes politiques et institutionnelles pour sa participation au processus de refondation de l'État, soutenir les actions des jeunes en faveur de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale, développer des mécanismes et des stratégies de formation et d'employabilité des jeunes pour une contribution accrue à la croissance et au développement durable. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Placé sous la haute présidence de M. le président de la transition, les états généraux s'organiseront en trois étapes. Les concertations communales se tiendront dans les 738 communes ce vendredi 1er décembre 2023. Ces concertations communales, nous souhaitons une participation massive des jeunes de toutes les couches, que ce soit les jeunes urbains, ruraux, scolarisés, non scolarisés, travailleurs, sans emploi. La deuxième phase concerne les concertations régionales, qui doivent se tenir dans les 19 régions et le district de Bamako, le 5 décembre 2023. La troisième et dernière étape, qui est l'étape nationale, qui se tiendra à Bamako les 21 et 22 décembre 2023. Cette étape réunira plus de 1000 participants venus des régions, du district de Bamako, des organisations de jeunesse et autres de la société civile. Pendant ces assises, la jeunesse mènera la réflexion sur divers sujets liés au développement, au contexte sociopolitique, institutionnel, culturel, sécuritaire, entre autres. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Les participants échangeront sur six thématiques principales que sont la jeunesse, la gouvernance, réformes politiques et institutionnelles, jeunesse, sécurité, paix, réconciliation et cohésion sociale, jeunesse, emploi, croissance économique et développement durable, jeunesse, capital humain, genre et inclusion sociale, jeunesse, sport, culture, art et construction citoyenne, jeunesse, vie associative et participation publique. Le ministre appelle les jeunes à se mobiliser pour une participation massive à ces états généraux au niveau de leurs circonscriptions respectives et d'apporter leur contribution dans le renouveau de la jeunesse malienne. Les états généraux de la jeunesse qui s'ouvrent donc ce vendredi 1er décembre jusqu'au 22 décembre 2023. Actualité hors de nos frontières au Sénégal, c'est un nouveau revers dans la course à la présidentielle pour l'opposant Ousmane Sonko. Le paiement de sa caution, étape obligatoire pour pouvoir être candidat, a été refusé par la Caisse des dépôts et consignations de l'État sénégalais au motif que l'opposant radié des listes électorales n'est plus éligible. L'échéance du 26 décembre pour déposer cette demande approche. Pour les partisans de l'opposant emprisonné, il faut donc valider chacune des étapes et avancer dans la constitution d'un dossier de candidature. Radié des listes électorales suite à sa condamnation à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, Ousmane Sonko ne peut être élu selon le ministère de l'Intérieur. De ce fait, il ne peut pas non plus verser de caution pour valider sa demande de candidature. Guinée-Bissau, des tirs nourris ont retenti dans la nuit d'hier à aujourd'hui aux abords d'une caserne du sud de la ville où se sont retranchés des éléments de la garde nationale. Ce détachement a tenté dans la soirée de libérer un ministre et un secrétaire d'État qui se trouvaient en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire avant de se retrancher dans cette caserne. Les forces spéciales ont tenté de donner l'assaut avant d'interrompre l'opération pour laisser place à des négociations. Le calme est revenu, mais plusieurs interrogations subsistent. La trêve a expiré. L'armée israélienne annonce avoir repris le combat contre le Hamas. L'armée israélienne a repris donc ses frappes dans la bande de Gaza, accusant le Hamas d'avoir violé la pause en vigueur depuis une semaine.
Retour à l'actualité nationale, le grand format de ce journal s'intéresse aux kaolin, appelés en bamara bokoni. Nombreuses sont celles qui développent une addiction pour cette argile blanche, surtout les femmes enceintes. Le kaolin est une roche calcaire non nutritive, très souvent de couleur beige et qui est en effet la matière première utilisée dans la fabrication de la porcelaine, aussi utilisée dans l'industrie du papier, du verre, du cosmétique et de la médecine. Eh bien, force est de constater que le kaolin se retrouve comme un véritable amuse-bouche pour la plupart des femmes et même de certains hommes. Pourtant, sa consommation a des lourdes conséquences sur la santé. Amis d'emblée nous emmène dans l'univers du kaolin. Le kaolin est l'argile blanche découverte en Chine. Il est utilisé dans l'industrie du papier, du cosmétique, du verre et bien d'autres domaines. Cette roche calcaire non nutritive, appelée bokoni en bambara, est consommée de façon abusive par certaines personnes pour diverses raisons. Kumbayara est consommatrice. C'est pendant ma grossesse que j'ai commencé à consommer le kaolin. C'est l'odeur du sable mouillé qui m'a donné l'envie de le goûter. Et depuis, je suis devenue accro. Par peur d'impacter la santé du bébé, mon mari m'a mise en garde. Mais je continue à le consommer. À chaque fois que j'ai fini de croquer, j'ai un sentiment de regret, car je suis consciente du danger qu'encourt mon bébé. Bien que le kaolin ait un impact sur la santé de Kajatuba, une adolescente de 17 ans continue à le consommer. J'ai commencé à consommer le kaolin à l'âge de 13 ans par le biais de ma mère et de ma grande sœur. Je suis tout le temps constipée à cause de la consommation régulière de ces produits. Après chaque repas, je mange le kaolin. J'en suis devenue dépendante. Le kaolin n'est pas consommé que par des femmes. Certains hommes le croquent sans modération. C'est le cas de ce dernier qui a voulu garder l'anonymat. Cela fait 5 ans que je consomme le kaolin. Au début, je le dérobais en l'absence de ma grande sœur. Finalement, j'ai pris goût du produit et je suis devenu un consommateur. Je n'ai jamais eu de problème de santé à cause de ce produit. Donc, je continue à le manger. Dans le marché, Asanatu Keita vend le kaolin depuis quelques années. Ses principales clientes sont les femmes enceintes. Depuis 6 ans, je vends le kaolin au marché de Nyamana. Je m'approvisionne chaque lundi au grand marché de Bamako. Par semaine, je peux vendre 25 kg. Je suis souvent en rupture de stock tellement la demande est forte. Mes principaux clients sont les femmes, surtout celles qui sont en état de grossesse. Pourtant, la consommation régulière du kaolin cause de sérieux problèmes de santé, notamment chez les femmes enceintes. Docteur Sidiki Tangara est médecin. En dehors des femmes enceintes, même les personnes normales, alors lorsqu'ils mangent ces consommables, ça part dans l'estomac et digéré dans l'intestin. Alors, étant donné que les reins, c'est un organe qui permet de faire la filtration du sang, alors les particules qui vont passer dans les reins, et ces particules qui la vont s'entasser au niveau des voies rénales et va causer ce qu'on appelle des calculs urinaux. Faites en sorte que les urines qui vont directement dans la vessie, et ça entrave un peu la descente de ces urines-là. Ils vont entraîner à la suite une insuffisance rénale. Aiguë d'abord, et par la suite, ça peut entraîner une insuffisance rénale chronique. Être en bonne santé est le bien précieux du temps. Faut-il alors préserver ces biens précieux en s'éloignant de la consommation d'un produit qui n'a aucun impact positif sur la santé? Les femmes, le kaolin, une histoire qui n'est pas à sa fin. Suite de ce journal, juste après cette bulle musicale. Du sport à présent, éliminatoire de la CAN féminine de football Maroc 2024. Le Mali a gagné 7-2 contre la Guinée-Conakry, c'était hier au stade du 26 mars de Yirimadjo. Une délégation de la commission de mobilisation pour la CAN en Côte d'Ivoire également est à Korogo, où la poule du Mali sera basée. Il s'agit pour la délégation malienne de venir constater les conditions possibles pour une meilleure participation du Mali à la CAN en Côte d'Ivoire. Et puis, Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie, le match de classement au pose aujourd'hui le Mali à l'Argentine. L'enjeu, c'est la médaille de bronze. Les Aiglonais ambitionnent de monter sur le podium. On voit tout cela avec Fotigui Tunkara.
Coupe du monde des cadets Indonésie 2023. La compétition connaîtra son épilogue demain samedi avec la finale qui oppose à midi la France à l'Allemagne. Mais avant, la petite finale met aux prises ce vendredi à midi le Mali et l'Argentine. L'enjeu de ce match de classement pour la troisième place sur le podium est bien la médaille de bronze. Les explications avec nos envoyés spéciaux en Indonésie, Koji Sibi et Sidi Modibo Dambélé. La petite finale est l'un des matchs les plus difficiles d'une compétition. On retrouvera ce vendredi deux équipes affectées par l'élimination en demi-finale. Cependant, Maliens et Argentins se battront pour repartir avec la médaille de bronze. Les observateurs voyaient cette affiche comme celle de la finale au regard de l'impression laissée par les cadets maliens et ceux de l'Argentine. Les fans sont contraints de voir ces deux formations s'affronter en match de classement. La troisième place, objet de convoitise, permettra-t-elle à deux équipes techniques de proposer du spectacle au public de Manan Stadium ce soir? En tout cas, les Aiglonais n'ont pas caché leur ambition de retourner au pays avec le bronze. La colonie malienne et une grande partie du public local seront acquis à leur cause. Eux qui ont été séduits par leur prestation et qui n'avaient pas manqué de les soutenir, surtout en demi-finale. Quelle que soit l'issue de la rencontre, les jeunes maliens laisseront un bon souvenir en Indonésie de par leur beau football et surtout étant la seule équipe africaine à avoir atteint le dernier carré de la compétition. Ce groupe bien entretenu fera sans doute parler de lui dans d'autres compétitions internationales. À la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie, Koji Sibi, Sidi Modibo Dambélé, ORTM. Et éliminatoire Coupe d'Afrique féminine de football, les Aigles d'Am du Mali effectuent un grand pas pour la phase finale de la CAN Maroc 2024. En match aller du deuxième et dernier tour des qualifications, hier au stade du 26 mars de Irimadjo, le Mali a battu la Guinée-Conakry par le score sans appel de 7 buts à 2. Le résumé de ces matchs avec Siragatou Cissé. Sans forcer, les Aigles d'Am du Mali ont filé le bon coton dans ce duel face à la Guinée à la faveur du deuxième et dernier tour qualificatif à la CAN Maroc 2024. Avec le plein de confiance, les Aigles d'Am du Mali ont tout de suite carburé. Aguesha Diarra trois fois, Fatou Dembélé, Koulouba Sogoré, Geneba Baragi et Aïssata Traoré dit Neymar se sont transmises le relais pour faire mal à la défense guinéenne aux abois. La Guinée est parvenue à marquer 2 buts. Score final, 7 buts à 2 pour le Mali. Cette nette avance des Aigles d'Am du Mali augure un match retour tranquille le 5 décembre prochain dans l'optique du ticket qualificatif à la CAN Maroc 2024. Préparatif de la CAN Côte d'Ivoire 2023, une délégation de la commission de mobilisation séjourne en Côte d'Ivoire. La mission s'est rendue à Korogo, où sera basée la poule du Mali. Il s'agit pour la délégation malienne de faire une évaluation des conditions d'hébergement et de prendre des dispositions possibles pour une meilleure participation du Mali à la CAN Côte d'Ivoire 2023. De Korogo, les points avec nos envoyés spéciaux Isaac Tienou et Cédric Ibalo. Faire de la participation du Mali à la CAN une réussite, voilà pourquoi la commission nationale mise en place à cet effet a initié cette mission à Korogo en Côte d'Ivoire. La délégation malienne est venue toucher du doigt les problèmes éventuels auxquels le Mali pourrait être confronté. Kayato Ao, président de la Commission nationale d'organisation et de mobilisation de la CAN au Mali, chef de la mission. On a voulu faire cette mission pour venir voir dans quelles conditions nous allons être reçus par nos frères de Korogo, dans quel esprit on est, dans quels endroits les Maliens qui vont venir pour la CAN y seront logés, quelles seront les conditions d'hébergement, les situations sanitaires, les conditions de restauration. C'est de voir en gros tout ce qui peut être prévu et planifié. Première étape de cette visite, le palais du chef du canton, Sa Majesté Issa Koulibaly. Visiblement ravi d'accueillir la délégation malienne, il n'a pas manqué de rappeler l'histoire entre Korogo et le Mali, précisément Sikasso, Sa Majesté Issa Koulibaly, chef de canton de Korogo. Korogo et Sikasso, c'est les mêmes villes. Donc cela fait que les frères maliens, la communauté malienne qui est là, peut le témoigner que nous, en matière d'étrangers, nous. À la mairie, comme au conseil régional du Poro et à la préfecture, la délégation malienne a eu droit à des honneurs. Salimon Koulibaly, premier vice-président du conseil régional du Poro. Il n'y a pas de distinction. Parce que le patriarche Gon est venu de Sikasso. C'est Babemba qui est venu l'installer à la mort de son père Zoa Koyon. Et pour nous, c'est un grand bonheur et c'est divin. Le Mali joue à Korogo, c'est une chance pour nous. Touri Paulin Martial Okou, secrétaire général de la préfecture du Koro. Le peuple Sénoufo est un peuple d'accueil. Ça, je peux vous l'assurer. Vous êtes chez vous. Pour les autorités de Korogo, le Mali n'a pas besoin d'envoyer des sporteurs à la CAN. Korogo pense suffire. De Korogo, Isaac Tienou, Cédric Ibalo pour l'ORTM. Chronique du développement. Dans le paysage foisonnant des ONG évoluant au Mali, il y a Caritas Suisse. Cette ONG est présente dans notre pays depuis une cinquantaine d'années et évolue dans les domaines de la sécurité alimentaire, des changements climatiques et de l'humanitaire. Quelles sont ses réalisations au profit des populations? La chronique du développement s'est penchée sur la question. Soumaïla Berthé et Marc Dambélé.
L'ONG Caritas Suisse intervient dans 20 pays au monde et est présente au Mali depuis 1973. Mais ce n'est qu'en 2014 qu'elle a ouvert son bureau à Bamako. Elle s'est assignée comme mandat de lutter contre la pauvreté dans ses zones d'intervention. Pascal Dakuo est le coordinateur du projet Sahel des Caritas Suisse. Globalement, Caritas Suisse intervient dans le domaine humanitaire et aussi l'aide au développement. L'objectif ultime de Caritas Suisse est éradiquer la pauvreté. À côté de cela aussi, nous faisons ce qu'on appelle le nexus, c'est-à-dire joindre le développement à l'humanitaire. Nous intervenons dans le domaine du climat, le domaine du revenu, et aussi le domaine de la migration. Les zones d'intervention de Caritas Suisse au Mali ici, c'est notamment la zone de Kolokani et de Kati dans la région de Kouloukouro. Dans la région de Kita, nous avons une équipe aussi qui évolue dans un autre projet à Kita et un autre projet au niveau de Yanfolila. Pour assurer sa mission première, c'est-à-dire la sécurité alimentaire et les changements climatiques, Caritas Suisse utilise des moyens endogènes, des techniques de résilience des populations face au climat. Afin d'atteindre ses objectifs, l'ONG s'appuie sur 3 projets, dont Sahel, qui intervient dans des zones rurales des cercles de Kolokani et Kati. Nous savons aujourd'hui que les sols sont largement dégradés et il faut vraiment des moyens de résilience pour pouvoir subvenir aujourd'hui à notre ration alimentaire. Donc Caritas a des paquets technologiques pour aider à éradiquer l'érosion hydrique et éolienne par des techniques de cordon pierreux, des techniques aussi de la régénération naturelle assistée, les techniques d'apprentissage des producteurs à faire du compostage. C'est des engrais organiques faits à partir des matières organiques au niveau de la base. Au terme de 4 ans d'activité sur le terrain, les acquis du projet sont palpables. Pascal Dakuo. Nous avions aidé les communautés à s'organiser. Nous avions mis en place 86 paysans relais qui nous appuient dans la vulgarisation des technologies promues par le projet. Ça, c'est un acquis aujourd'hui que le projet laisse derrière lui. Nous avons encadré aussi 43 comités de gestion des ressources naturelles au niveau village, 9 comités communaux. Et nous avions à nos jours pu récupérer plus de 1450 hectares de terres qui sont dégradées par des techniques de cordon pierreux, de régénération naturelle assistée, des diguettes en terre et les techniques de compostage et de la plantation des arbres. Des réalisations qui font le bonheur des populations bénéficiaires. Seydou Koulibaly, responsable du comité local de gestion de l'eau du cercle de Kati, en témoigne. De façon globale, nous disons que alors nous avons beaucoup bénéficié alors de l'intervention des Caritas Suisse. Nous avons bénéficié des formations autour du système de restauration, de retenue et de bonne gestion de la retenue d'eau du lac Ouéyan. Pour autres bénéfices, la population a reçu des formations sur la mise en place de cordons pierreux. La population a également bénéficié de la fabrication de compost. La population a également bénéficié du maraîchage. Nous n'allons pas aussi oublier que Caritas Suisse également nous a doté des matériels de protection ou encore de prévention de l'environnement. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités au Mali, Caritas Suisse travaille en partenariat avec les services techniques des ministères en charge de l'agriculture, de l'environnement, de l'eau et des actions humanitaires. 7h28, ainsi prend fin ce rendez-vous d'information. C'était une présentation de Moussa Papaïdara, mise en onde bien assurée par Mamadou Bédialo, réalisation Bourama Traoré, mise en ligne Cheikh Oumar Traoré. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochaine édition à 13h. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire quoi qu'il arrive. Brillante journée de vendredi à toutes et à tous sur l'ORTM.